Coucou tout le monde, c'est Abricoulien pour une nouvelle partie de l'île de Donkey Kong qui... Enfin de Donkey Kong Country Republic sur l'île de Donkey Kong qui promet d'être prometteuse. Car là on est en train de refaire les mondes de Donkey Kong 1. Enfin Donkey Kong Country Returns 1. Je suis en train de me fatiguer moi. Mais c'est facile, conquérée par Jimano. Deuxième monde, baignade interdite. Bon, heureusement hein. Si la baignade était obligatoire, j'aurais peut-être ragé sur ce niveau. Mais bon, si la baignade est interdite... Bon, j'ai toujours l'habitude. Hein. Il manquerait plus que les boss et ce serait le combo parfait de solo du 1. What? Je savais que ça allait redescendre quand même. Hé, hey, attends. Je suis sur cette roue là. Encore des bananes. Vous avez pas arrêté d'en manger, hein. Flash de glace, non mais après ce sera quoi? Donc après non, enfin comment ça après ce sera quoi? Non, après ce sont les ruines. Je vous ai déjà expliqué les mondes du 1. Oh là on voit des bateaux qui se sont posés à un endroit un peu pas safe. Des bateaux qui se posent sur les falaises. Non, mais... Attendez! C'est baignade interdite! Aïe, je comprends pourquoi c'est baignade interdite maintenant. Donc là, il y a un morse qui... Ah mais purée, laisse-moi! Il y a un morse qui tire des blocs de glace, de glace, de glace. Mais pas un morse, c'est un gros pingouin avec une crête. Oh, j'aurais pu obtenir un cœur. Enfin, j'aime bien ce niveau, il est pas très 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 dur. Aïe, non. Moi par contre, tu meurs. Non, je sais très bien où ça mène. Hein. Je peux y aller. Je sais pas ce que ça sera au sommet. Hein. Volcan de glace. Hein. Oh, ce serait référence à Super Mario Galaxy. J'aime bien la musique, elle est toute douce, elle est toute calme. Elle m'empêche de m'énerver. Hey, oh. Ouais, me crame pas, toi. Tu sais que brûler, que... Ah que... C'est la plus grande douleur au monde d'être brûlé vif, le hibou. Moi, lui, il utilise de la glace ou de l'azote. Ou s'il utilise de l'azote, je pense que ça va pas faire du bien au combo. Donc, lui, c'est un. Pailleux! Ça se dit, les pailles? Ça, c'est le petit bonhomme en paille. Il s'élance vers le bourgeois. Ah mais purée, non mais... Hé ? C'est quoi ces trous de la torture ? Aïe, mais non mais... Fais des sauts longs, pas des sauts courts. C'est quoi ces trous de la torture ? Attends, c'est le bateau de la roue de la torture ou quoi ? La roue de la torture, oh. Ce que j'aime bien c'est que c'est baignade interdite, donc on n'a pas besoin de faire des chemins dans l'eau. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vu des niveaux dans l'eau. Ça remonte au monde 5. D'ailleurs,
Je me rappelle que le niveau dans l'eau, je l'avais coupé tellement qu'il était énervant. Donc vous n'avez pas pu voir la fin. Je me rappelle assez bien de ce moment. Non mais purée, non, ça c'est méchant. Je trouve un endroit safe. Bah non, il est pas safe. J'aime bien la musique. Je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un jeu super. Hein. C'est toujours mon jeu sur Wii U que j'ai préféré. Mais non, mais laisse-moi. Et toi, on te cause pas. Mais j'attends pour le cœur, j'attends pour le cœur. Non, mais meurs pas. Non, franchement, c'est toujours mon jeu préféré parce qu'au moins ça change de. Je sais pas, ça change de bonne carrage. Mais t'as. Voilà. Maintenant, direction. Non, mais toi, tu meurs. Non, mais purée. Glisse pas, glisse pas. Ah, j'aime bien ce niveau. J'adore ce jeu. Il est dur. Au moins, ça me change des jeux genre Wind Waker HD, comme je le disais. Ça va, on y joue, mais c'est toujours la même popote, les Zelda. C'est juste qu'on change les temples et puis voilà, ça fait un nouveau Zelda. Là, on rajoute quelques nouveaux tailles, non ! Vous arrêtez ! Vous arrêtez ! Donc là, c'est la bombe. Cette bombe, hein, ça va pas être. Voilà, je continue. Suivez-vous ! Suivez-vous, je l'avais pas vu ! Je me demande comment le chef a fait pour savoir qu'il fallait placer certains ennemis là et certains pas là. Pour bien faire caca aux gens, mais purée, mais toi tu t'es, personne ne t'aime. Mais après là je meurs. Vite. Ouf. Donc toi tu meurs. Si c'est toi que j'ai vu tout à l'heure. Tu meurs. Non, j'ai sauté. Alors toi je t'aime pas, personne ne t'aime. Oui, mais non! Ça m'énerve, à chaque fois que j'essaie quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui vient m'embrouiller avec moi. Oui, j'utilise des expressions du royaume. Hein. Ça fait 9 minutes que je suis restée sur ce niveau. Ça, c'est. Non, mais. Ouais, puis zut! Toi, personne ne t'aime? Ce que j'aime bien, c'est qu'il est impatient. En gros, il va. Lancer son attaque directement. Non mais. Comment il savait que. Ça m'énerve là. On va pas faire un niveau par partie. Oh, ça serait dommage. Bah par là c'est plus simple en jeu. Allez, lève. Maintenant la roue de la torture. Hop. Je sais pas comment ils ont réussi à créer une roue de la torture. Hein, mais ils l'ont bien faite en plus. Un peu trop bien faite à mon goût. Ah bah voilà. Ou pas. Oui. Enfin. Ou pas. Bon, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'un des attributs qui fait que c'est mon jeu sur Wii U que j'ai préféré. Bon, ok, j'ai pas compris. C'est que bah y a plein de checkpoints dans ce jeu, contrairement à New Super Mario Bros. U. Enfin, dans, je me souviens qu'il y avait un jeu que j'aimais pas parce qu'il y avait presque pas de checkpoints. Ah d'accord, je viens juste de comprendre.
dis donc. Allez, pingouin coq, non mais. Même les. Non mais. Tu me laisses tranquille. Là, le pingouin punk. Genre, enfin, oui, mais. Voilà. Il y a des jeux que j'aime pas parce que il y a des niveaux, il n'y a pas de checkpoint et ça me saoule. D'ailleurs ça c'est un des jeux qui ne confirme pas la règle que plus les jeux sont récents, plus le jeu est facile. Là il confirme. Là il le. Il enfreint la règle. Voilà, enfin, j'ai terminé ce niveau. C'est quoi le prochain niveau? Ruine de quelque chose? Bon, allez. Bloup. Oula, j'ai peur du niveau des mines, par contre. Aqueduc, caduc. J'espère qu'il est pas trop dur. Hein. Donc voilà. Voilà. Hop. Je comprends pas le caduc. Caduc c'est quoi? Ok, donc nous sommes toujours dans les ruines. Ou pas? Enfin voilà, quand je dis ou pas, c'est que pourquoi tout s'effondre? Ah, ce niveau, j'avais vu dans le trailer. Ce niveau, j'avais vu dans le trailer. D'ailleurs, je sais pas quel est le délire des gibrés de mettre. De transformer l'île bien normale, bien paisible de Donkey Kong en. Oh, un truc qui s'auto-détruit. Ah ah ah. Oh bah enfin. Au moins un. Au moins un qui se montre. Depuis tôt que j'attendais ça. Ouais, bah il y avait quelque chose. Ouh, ça se détruit trop facilement ce truc. Oh, joli. D'ailleurs, dans le dernier niveau, je crois qu'il, je crois pas, enfin, dans la plage de glace, je crois pas qu'il y avait de Didi ou de trucs comme ça. Hein. Ce jeu, tu joues presque tout le temps avec Donkey Kong. Il y a des nouveaux partenaires, mais vraiment, il faut les acheter. Il faut vraiment les acheter en plus. C'est pas une blague. On peut acheter les tonneaux avec ses partenaires parce que Funky Kong est très sadique. Oula! Je suis pas sûr que ça va le faire. Ah bah si. Badaboum, 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 boum, boum. Déjà? Déjà? Oh non, mais ce niveau, il a duré 3 minutes. En fait, non, les niveaux, ils sont pas si longs. Le dernier niveau, c'était pas qu'il était très long, c'était juste que j'y arrivais pas. Non, mais franchement, là vous abusez, hein, il est pas du tout long. Bah on a le temps de s'en refaire un. D'ailleurs, j'ai vu qui nous attendait. Caverne. Le nom était un peu trop normal car j'avais très bien vu que tout s'écroulait dans les derniers niveaux. Caverne croulante, non mais. Bon, j'imagine qu'il va être aussi peu long que les autres. Oh, ces niveaux, ils me rappellent aussi l'âge de glace de. Et lui, beaucoup.
tiens. Hop, oh, oh, oh. J'ai tué un morse à casque. Non, voilà pourquoi j'avais peur du niveau des mines. Je savais qu'il y avait ça. Bon, c'est moi, la musique a changé. Non, c'est pas moi, mais voilà. Aïe! J'ai envie de chanter. Je sais pas, il y a une chose que j'ai envie de chanter. Je peux? On va vous dire que je peux. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? On les plante. Voilà. Le niveau est épique. Non, il est pas du tout épique. Le thème est épique. Voilà. Je comprends maintenant pourquoi ça s'appelle caverne croulante. Enfin, je comprenais déjà avant. Hein. Mais j'avais pas prévu un truc aussi croulant. Hein. Là, ça me rappelle plus l'âge de glace 2, ça me rappelle Aladdin. Hein. Ça me rappelle le niveau sur Super NES où il y a de la lave et tu dois tout faire avec... avec la magic carpet. Oh mince. C'est pas grave. Mais le thème, franchement, il est assez pique, mais bon, c'est juste qu'on change quelques notes et voilà, ça fait un autre thème, mais voilà. Ah non, mais boule de neige. Ou alors comment le truc s'effondre lentement mais sûrement. Hein. Hop. Ah, je pensais pas que c'était ça qui allait se détruire. Hein. Bon, ça, c'est... Ça, si ça se détruit, c'est pareil. Ça serait bizarre. D'ailleurs, toujours pas de checkpoint. Ça, j'aime pas. Boum. Bon, d'ailleurs, je vais me refaire une vie. Allez, on va essayer de faire enfin ce niveau. Au moins d'atteindre le checkpoint. Surtout, il n'y a pas de cœur, ça c'est énervant. Ben, en même temps, en ce moment, il y a de moins en moins de cœur. Contrairement au Donkey Kong d'avant, où il y en avait à peu près toujours quand tu en avais besoin. Là, non, là, il n'y en a pas un. Donc là. On va essayer. Oui! Allez! Oui, super. Monsieur, je suis super gentil. Non, non, non. Regardez l'enfant qu'il y a. Mais c'est un personnage de Donkey Kong coûte rien. Donkey Kong... Regardez, dans le glaçon, il y a la grosse chauve-souris de Donkey Kong coûte rien, Returns 1. Lui il a deux vies, ce tonneau fusée, alors que dans la dernière Donkey Kong il n'y en avait qu'une seule. Et je ne plaisante pas là. J'espère que le glaçon va pas se casser. Enfin, je crois pas. Hein. C'est juste un easter egg. Purée, mais il y a trop de trucs, il y a trop d'éléments. Mais le nombre de canons, c'est exagéré. Aïe. Et surtout ce. Et surtout, ce que j'aime pas avec le char de mine et le tour de fusée, c'est juste un moyen de transport. Hein. Il n'y a pas de trucs genre. Non, mais ça, on pouvait pas éviter. Hein. Et tais-toi, la boule de neige. Hein. Ah ben, il n'y a pas de petite fusée, quoi. Il n'y a rien. Et voilà, ils attaquent pas.
C'est énervant, on pourrait casser des trucs. Je sais pas, c'est... Ok, je maîtrise cet endroit, enfin je vais essayer. Donc ça, c'est un moment que j'aime pas trop. Bah, les neiges, les boules de neige, elles sortent de n'importe où. Non mais, croyez-vous que je vais réussir à avoir ce ballon? Oui, oui, j'ai réussi le niveau. Je dis que je le réussis, donc mais... Non mais là, même le niveau... Non, là, le niveau, il est vivant. Hein. Vous allez rien me dire. Il est vivant. Hein. Ce niveau... Non mais, purée! Non mais, ce niveau, il est vivant! Là, vous n'allez pas m'expliquer. Me dites pas, bon non, parce que ce soit givré, il faut machin. Non, il n'y a pas de givré ici. Hein. Ils peuvent rien faire. Non, là, le niveau, il est vivant. Enfin, pas les canons. Les canons, ils pètent parce que c'est le temps qu'ils ont pété. Hein. Mais là, ça tombe tout seul, regardez, c'est vivant. Et surtout, le truc qui bougeait tout seul, non mais... Bon, écoutez ce qu'on va faire. On va diviser cette partie en deux. Rebonjour tout le monde, c'est Abricoulin pour une sous-partie, pour terminer ce niveau qui m'aime pas. Et que j'aime pas. Maintenant, je vais m'exprimer quand... Arrête de bugger, il faut tout stopper. Va te faire mettre. Hein. Je suis désolée de dire ça devant tout le monde, mais va te faire mettre le niveau. Hein. Arrêtez de faire un décor trop... Le décor est beaucoup trop... Il y a beaucoup trop d'éléments dans le décor, voilà. C'est dit. Oui, j'ai réussi à passer ce passage sans perte de vie, enfin. Tu vois quand tu veux te refuser. Donc là... Là, tout le monde sait comment faut faire. Caverne coulante, caverne vivante, caverne coulante. Je sais pas comment la glace fait pour bouger toute seule. Hein. Hop. Non mais comment ça fait pour sauter, hein? Il y a un truc en fond, mais il est à 36 000 km. Je n'ai pas compris. Je crois que quand on fait comme ça, ça va tomber tout seul. Ouais, bon, c'est pas grave. Non mais purée, meurs. Oui, il m'a écouté. Mais non, mais la résiste, Adam, quelconque, fais pas n'importe quoi. Et oh, non. Enfin. Enfin. Aïe! J'étais en train de me dire des choses dans ma tête. Hein. C'est pour ça que je... C'est pour ça que là j'ai fait quelque chose de n'importe quoi. Oui, bah ce niveau, je pense pas que je vais le refaire. Enfin, je suis obligé de le refaire en plus. Ouh! Ouh! Ouais, gentil niveau! Donc là, hop. Je connais pas cet endroit! Hein? Ah non. Si ma tête réfléchit bien, c'est que ce passage n'est pas aussi énervant qu'il en a l'air. Et puis ça sert à quoi au tout début du niveau, Diddy Kong et machin truc pour pas être, alors que ça te rajoute pas de vie.
Eh non mais frôle pas, non mais frôler ça veut pas dire toucher. Foncer ça veut dire toucher. Appeler un expert pour qu'il me fasse ce niveau. Enfin, j'aimerais bien. Boum, boum, boum. Disent les canons. Boum, dit la boule de neige. Non mais, s'il vous plaît, pas un ballon. Enfin, si, un ballon, c'est gentil, mais quand même. Et ce niveau manque cruellement de cœur. Cruellement. Je dis cruellement, et c'est pas pour... pour parler en langage soutenu, non, ce niveau, bon, cruellement, du cœur. Hey zut, zut, zut. Ouh, regardez, attends, la dernière fois, frôler, c'était touché, maintenant, frôler, c'est plus tout touché, donc, ça, normalement, c'est pas du tout. Ok. Ouh, je passe entre les trucs, ça, faut suivre les bananes et les... Oh, oui. Quoi? Zut! Hein? Non. Non, s'il vous plaît. Hein? Je suis une boule de neige! Non, mais c'est quoi ce délire? Je suis une boule de neige! Oui! Je suis mort. Non, mais... Allez, c'est parti! Je suis une boule de neige! Au moins, ça c'est un truc que j'aime bien, même si... Ok, bon, la première partie du niveau ne m'aimait pas, cette partie elle m'aime bien. Parce que, en fait, la boule de neige, c'est comme le chariot de mine, mais en beaucoup plus destructeur. Non, pas les batteries! Non, s'il vous plaît, les batteries! Non, me quittez pas! S'il vous plaît, les batteries, enfin, je m'énerve même si vous n'allez sûrement pas me quitter car en fait les batteries elles résistent toujours. Les batteries de mon appareil photo, j'ai dit. Non, oui. Ça, c'est un truc que je connais très bien. Ça, il faut sauter. Ah bah voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette sous-partie. Abonnez-vous à ma chaîne et blablabla.